Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour revenir sur l'utilisation de ces petits doigts éponges que j'ai utilisé dans une vidéo et pour lequel j'ai eu pas mal de questions. Donc en fait, c'est juste des petits embouts avec une éponge au bout. Vous le mettez sur votre doigt, vous allez tapoter sur votre encreur et venir appliquer la couleur sur votre papier. Ce qui est intéressant de faire, c'est de toujours commencer par la feuille de brouillon, un petit coup, pour éviter d'avoir le petit rond que l'on pose, et continuer sur notre papier. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Vous voyez, ici, j'ai pas forcément posé ma mousse sur mon brouillon, donc ça fait des petits ronds. Ici, je l'ai pas non plus posé systématiquement, et là, on a des petits ronds. Alors que là, je l'ai bien fait de façon régulière, et je n'ai pas de petits ronds qui apparaissent. Deuxième technique, avec de l'éponge classique. Vous voyez, c'est une éponge classique. En fait, c'est ces éponges-là qui sont vendues dans le catalogue Stampin' Up, que je coupe moi en petits morceaux, en quatre, pour en avoir plusieurs. Donc avec ces éponges-là, on va venir simplement humidifier notre éponge, tapoter sur notre pâte d'encre et venir appliquer notre couleur. Donc là, on a plutôt des traits qui viennent apparaissent. Voilà. Alors, je vais prendre cette couleur-là. I get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. Un joli dégradé, on revient remettre de la couleur. Et voilà. Et donc là, on a un fond ancré avec des zones plus ou moins foncées en fonction de là où on a appuyé, où on a mis de la couleur, mais on peut moduler. Ce qui peut être sympa, c'est de vaporiser un petit peu d'eau sur votre projet, de les sécher, et vous verrez qu'il y aura plein de petites gouttelettes qui vont apparaître, ce qui peut faire un ciel étoilé, par exemple. Voilà. Je monte les projets et je vous montre. And you know that I'll be driving home to you. Thirty thousand miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you. I would do it all again for you.
les deux exemples de cartes que j'ai fabriquées avec les fonds ancrés. Donc celui-ci avec le fond ancré à l'éponge. Et celle-ci avec les doigts éponge. Alors avec les doigts éponge, il y a un petit peu plus de nuances, mais on voit vraiment pas énormément la différence. J'espère que cette petite vidéo technique vous aura été utile et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. I would do it all again for you.